What's going on, guys? Nous allons lancer la nouveauté, le plan 5 de la défense de la base. Donc, je crois que c'est en 4 vagues et séparées par 24 heures. Donc, à chaque fois, je vais essayer d'enregistrer les vagues, les mettre toutes ensemble et sortir une vidéo par rapport à ça. Du coup, bah, comme d'habitude, en fait, on a exactement le même équipement. Rien de très très spécial. J'ai même découvert en fait qu'on pouvait complètement aller se recharger en fait en munitions, tout ça, pendant qu'on a des petites pauses, on va dire. Donc du coup, bah, ça rend la chose un peu plus facile. Allez. Plan 5. Et il paraît même qu'on va pouvoir débloquer la base niveau 3. Donc ça va être intéressant. C'est parti. Aussi, il y a une chose, si vous comptez que votre équipe fasse le boulot, apparemment le jeu est réglé comme quoi vous avez besoin de faire cette vague, la première vague, parce que si vous par exemple vous déconnectez en fait maintenant, apparemment votre équipe qui défend va pas être activée. Dans un sens, en fait, c'est comme s'il va rien, il y avait aucune défense, parce que c'est vous qui êtes censé la faire, parce que bon, le truc arrive dans une minute, quand vous l'activez, c'est volontairement que vous l'activez. Et du coup, bah, vos mecs en fait défendent pas, même si vous quittez le jeu. Par exemple, là, si je fais quitter machin, ça va pas marcher, donc faites attention à ça. Mais après, vous pouvez utiliser votre défense. À la limite, alors de ce que j'ai vu, c'est que les attaques sont très 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 grosses maintenant, à plus de 15 000 parfois sur certains côtés de la base. Donc des fois, je pense que limite, ça serait mieux d'avoir genre une défense C, B ou un truc comme ça, et de laisser vos gars s'en occuper tellement que c'est difficile, parce que bon, il faut courir dans tous les côtés. Et toujours le même problème dans ces défenses, c'est de courir de tous les côtés, quoi. Oh la vache, tout ce qu'il y a. D'accord, ok. Bon bah, bienvenue. Bienvenue sur Terre. D'accord, j'étais sûr d'être trop plus loin, mais en fait non, apparemment non. Ils sont en train de se taper sur la gueule ou quoi? Ah, d'accord, ok, j'ai compris pourquoi. Les trackers sont assez vénères même pour... Ça. Ok, là où on a un machin, ça c'est chiant. Attends, on va faire ça, gagner du temps. Ah, fils de ch... Merde! Ah, c'est bien. On a deux normaux ici, deux errants. On va aller se remettre en munitions. Enfin, je pourrais aller à n'importe quel. On fait ça, hop, shift, on remet tout. Et on est tranquille. On va faire travailler un peu les tourelles. Quand tu veux, t'y vas. D'accord. Ces tourelles des fois, hein, putain. Pourtant, j'en ai 6, je crois, par côté.
Vous avez été déconnecté, retour à l'écran titre. T'es sérieux? Ah bah, ça commence bien. Ça commence bien cette défense. Et ben voilà, ça c'est quand on fait des vidéos qui sont pas prévues du tout, qu'on les fait en live. Parce que, à la limite, ce que j'aurais fait moi, c'est personnellement, c'est les enregistrer puis après parler par-dessus. Mais là, je me suis dit, tiens, j'ai le temps, je vais en faire une en live, voir un peu comment ça se passe. Oh la vache. En plus, c'est pas ma connexion et c'est pas le serveur. Putain, ça commence bien, quoi. Si j'ai perdu des trucs, ça va me péter les couilles. Je sais pas comment ça se passe parce que j'étais en je l'ai faite la mission. Enfin, j'étais en combat. Alors, est-ce que ça sauvegardait avant que je la lance? Est-ce que ça sauvegardait après, pendant? Bon, déjà, ça sauvegardait mon équipement parce que j'étais pas comme ça au début. Alors, qu'est-ce qui se passe? Putain. On va voir. On va voir, on va voir. Je suis désolé, hein, mais bon. Voilà, c'est les aléas du direct avec des serveurs en carton. Non, je suis méchant. J'ai jamais eu de problème de déco. C'est la première fois que je me fais déco comme ça. Waouh. Donc je me suis fait déco, j'ai tout perdu. Oh la vache. Le foutage de gueule. Je suis à 66%. J'ai quasiment perdu la moitié de la base, quoi. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Bon, j'ai pas l'air d'avoir... Non, je pense pas avoir perdu des animaux. Non, non, les animaux c'est le plus chiant en fait. Ce serait franchement c'est le plus chiant les animaux, c'est ça. C'est vraiment de récupérer les animaux encore et tout ça, parce qu'il faut attendre des missions et tout. Après créer des plans, bon c'est pas grave, bon, c'est des ressources. L'eau c'est les ressources aussi. Enfin, voilà, non, ça va quoi. Ça aurait pu être pire, mais. Mais c'est pas cool non plus quoi. Oh la vache. Putain, allez vous faire foutre quoi. Bon bah super. Bon bah on se revoit plus tard. Allez, yay. Ciao. Putain de jeu.